Salut à tous et à toutes, c'est Marendo. On se retrouve pour le 6ème épisode de Pixelmon. Et donc, on est né. Ah oui, avec Inad et Sasuke. Salut. Parce que Mobli, il est parti. Et bien, on allait. Je vais peut-être me lancer à capturer un peu plus de Pokémon. Donc, on va faire des Pokéballs. Toi, tu reviens dans ma Pokéball. Et je vais essayer de faire des Pokéballs. Donc, pour faire des Pokéballs, il faut. Du bon riz. Non, alors il faut 3 il faut 3 trucs comme ça à faire cuire. Alors qu'est-ce qu'on a pour faire cuire? On a un petit peu de charbon. Ils on va pas prendre de charbon. Non, pas déjà cuit. Oh, mais attends, moi je m'en fais cuire. Ah, oui, non, ils sont pas déjà... Il va falloir que je me fasse des bas de Pokéball. Regarde ça, voilà. Sous comme elle est mignon. Voilà, et puis ça on va le laisser cuire. T'as vu, il est mignon, mon psychocroate. Ah ouais, il est sympa ton petit psychocroque. Dommage qu'on puisse pas le tuer. Deux petites secondes, je regarde, ok, et là il faut au milieu un bouton. Donc il faudra que je fasse des boutons. Il y en a déjà fait des boutons. Les boutons, t'en as plein la gueule, mec. Bref. Ils sont où les boutons? Ils sont bien cachés. Mais quelle honte. Ah j'avoue, ouais, j'ai honte. Don Deson, las boutonos. Ouais. Bon, je suis pas du tout espagnol et je ne parle pas du tout espagnol. Comment est-ce que t'as la casa? Non, c'est pas ça. Non. Conte, Concha, Ago. Et ils sont où les boutons? Ils sont où les boutons? Ah, ils sont là les boutons, mais c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, on va pouvoir se faire notre première Pokéball. Pire, tu vas voir sur un miroir. Et c'est à ce moment-là que tu dis qu'il y a une couille dans le pâté. Avant que ce soit comme ça? Non. Il y a une couille dans le pâté. Moi aussi. On va revenir voir la recette. J'ai besoin de boutons aussi. 5 boutons. Ah merde, il faut les amener dans une enclume, sur une enclume, ça. Alors, où est l'enclume? Elle est là. Ah, il faut un marteau aussi, j'imagine. Comment on fait le c'est marteau? C'est pas facile. C'est pas facile de faire des Pokéballs. Comment tu l'as fait marcher l'enclume? Du coup ça marche une enclume. Et au lieu de rigoler les gars là, comment on fait marcher ça là? Hein? Clique droit dessus. Bah c'est ce que je fais. Devant une enclume avec le reste de votre craft à la main. On va la mettre ailleurs l'enclume pour essayer sur la mélar. Ah non, ça marche pas non plus. Oh, mais là où elle était. Aïe, c'est quoi ça? Ça, c'est mon truc à moi, ça. Je te le rends. Les deux, ça serait gentil. Ouais. Tu prends le truc. Ah, je crois que j'ai compris. J'ai compris, je crois. Pied droit. Éloigne-toi, laisse-moi bosser. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Yeah, man. Pas sûr en fait. Pourquoi ça s'expulse derrière toi? Faut que tu mettes les trois. What the fuck, comment ça marche? Attends. Je vais aller voir rapidement la recette sur internet. Alors. Bah, je sais pas, c'est bizarre. Ça fonctionne pas. Ouais, ça fonctionne pas. Comment il a fait Moblinus? Tes trucs attends, ah, yeah. On voit un marteau, tiens, on va tester ça, ça renvoie le même, voilà. On peut même pas faire des Pokéballs sans Moblinus. Oh, trop nul. Et lui, quand il va voir la vidéo, il va faire oh oh oh, je suis vraiment trop un dieu là, ils peuvent rien faire sans moi. Et ça me fait rager.
rigole, bien sûr. Je suis très heureux que Mobilinus soit notre dieu. T'as trouvé? Ça souillé. Ça souillé. Eh non, il y est pas. T'as trouvé? Va le chercher. Va chercher. T'as trouvé? Apparemment, ouais, il a fait. En fait, tu fais clic droit dessus. Avec le truc blanc. L'Iron Disc. Ah putain! Et après, en fait, tu la martèles comme si tu voulais la casser. D'accord. Platir, en fait. Et une fois que ça bouge plus, hop, tu refais clic droit dessus, puis ça te la give. Et dégage, psychocoque. Laisse mon psychocoque tranquille. C'est trop nul, les psychocoques. Non, mais il est marrant, regarde. Ouais, tu parles, il est trop. Oh, oh putain, récupère le matos. Monte. C'est trop nul, les psychocoques. Je connais pas de Pokémon pire que les psychocoques. Ouais. Je fais ça juste pour faire rager Inan. C'est pas grave. Écoutez pas, oui, c'est bien. T'as qu'à essayer de capturer un porc-ci cochon, je sais plus quoi, là, ce qu'avait capturé Moblinus, c'est toujours moins pire. Je sais pas. Je sais plus comment ça s'appelait ce qu'il avait capturé tout à l'heure. C'est un nouveau Pokémon. Un cornichon. Ouais, je sais plus. Non. Bon, t'as fini avec le marteau là, Jean-Pierre? C'est Inat qui récupère tout, hein. Voilà, et maintenant on a les coques, après blanc. Bah t'es fait pareil avec tes rouges. Moi je veux le marteau là. Je l'ai pas le marteau. Il s'est barré avec ? Oh le bâtard. Bah, je m'en fous, je vais me faire un marteau tout seul alors. Oh la merde, j'ai cliqué, c'est pas sur mon bouton. Faire un système de plaid énergétique hein, pour crafter ça automatiquement. Est-ce que c'est le même marteau que sur FTB? Non, c'est pas le même marteau que sur FTB. Non. Daffel, voilà. Daffel. Allez, tiens, derrière toi. Tu fais clic droit, tu prends ton marteau et tu vas comme c'est pour le casser. Tu restes appuyé. Tu restes appuyé comme si tu voulais le casser. Ça va pas la casser. Et comment on fait un marteau alors? Oui. Trouvé, merci. Et voilà. Presque comme FTB, sauf que tu mets deux sticks à la place de un pour faire le manche. Ok. Et le stick, merde. Tu l'enfonces pas ou tu le nifles pas? Allez, au travail. Travaille à la chaîne. Travailler, bande de feignants. Ah, c'est trop lent de faire. Oh là là. Mais carrément, ouais. Trop la misère. Wesh. Mais arrêtez de toucher à des affaires, nom de Dieu. On bosse en commun, les gars, hein, je vous rappelle. Bah, je bosse en commun solo. Et pourquoi tu veux pas m'ouvrir le wiki of les Pokéball, gros? Alors ouais, on déconne, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes connes, ma ouais. Pam pam pam. C'est de la merde. Non, j'arrive pas à faire le morceau. C'est comme le marteau de FTB, sauf que au lieu de faire 6 trucs de fer en haut, t'en mets que 5 et au milieu tu mets un deuxième stick. Alors pour faire un marteau, moi, il faut du bon riz. Tu vois comment on fait une hache? C'est bon, j'ai réussi à le faire. Et non, rends-moi ça, Inad.
Voleur. J'ai bossé tout ce temps pour rien, mec. Ah là, 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 oh okay. Putain, il a... Hey, mais vous me saoulez, les gars, là. Laissez-moi faire mes Pokéballs. M'en fous, j'aurais 3 Pokéballs, ça me l'a... Ça me l'a... Ouais. Et ils m'ont volé mes boutons. 4. Voilà. Non, j'aurais plus que je les ai perdus, mais c'est pas grave. Quoi, je n'ai rien fait du tout, moi. Non, mais allô, quoi. Et hop, 3 Pokéballs. Tiens, je pose le reste du matos à l'intérieur. Ah, et puis je vais chasser du Pokéball. Oh, un Dodio. Il fixe les crashs et tout, voilà quoi. Oh la merde, c'est pas ce que je voulais faire. Il ajoute Mewtwo, hein, voilà, hein, des nouveaux modèles de Mewtwo, hein, voilà. Hein. Pokéball. Je crois pas trop, mais j'espère bien pouvoir la choper. Le stress d'attraper ou pas le Pokémon. Yes. Nouveau Pokémon. Nouveau Pokémon. Je vous présente, mesdames et messieurs, Dodio. Ouais, il est pas très beau et je le garderai pas comme Pokémon, je vais directement le mettre au PC. Oh non, je le garde pour l'instant tant que c'est pas plein, mais je vais pas le garder longtemps. Oh, un tétard. Un détartre. Un tétard plutôt, un petit tard. Celui d'Inad. Et là-bas, il y a un rapace de pique. Ils sont chouettes les rapaces de pique aussi. Mais tout ce qui est rajouté, quoi. Non, mais franchement. Alors, comment ça se bat, ça? Peck, c'est quoi Peck? Ah, ça tape bien! Ça tape bien! Ah oui, ça tape bien! Ah, il tape bien le Dodio quand même! Ça tape bien! Ah oui, ça tape bien! Oh oui! La 5ème génération, elle est dans la 3.0, tu vois. Hein, mais non, non, monsieur, je veux pas la mettre. Tu peux croiser des Zoroark. Non, mais je veux pas la mettre, quoi. Bon allez, on va prendre le rapace de pique. Tu l'as capturé? Attends, c'est en cours. Aïe. Non, mais frappe-moi pas. Et voilà, capturé. Aucun intérêt. Tiens, alors. Je vais voir si je peux me choper le petit serpent là. Petit serpent. Ah, il faudrait que je me trouve un. Mais là, ça va pas être facile de trouver. Je pense que ça se trouve dans les marais. Oh zut, comment ça s'appelle? Ah, un gros tas de morphes. Enfin, un tas de morphes que je ferais évoluer en gros tas de morphes. Ça te fait peut-être rigoler, mais c'est un putain de Pokémon. Désolé. C'était trop. Pourquoi? Je sais que là on est gros tas de morts. J'en ai plein dans mon nez et tout et. Ouais mais ça c'est d'être enrhumé ça. Oh putain c'est quoi ça? Oh bâtard c'est quoi ça? Bah tu vois. T'es mal. Eh hey, tu me vois Inad? Inad tu me vois? T'es où? Oh y'a un truc de ouf. Je suis en 142-644. Tu vois un village là-bas? Ouais, je crois que j'ai déjà été au village. Putain, je sais pas ce que c'est ça. Moins combien? 138 moins 641. Ah là là, à ta gauche. Ah oui, tu me vois? Ouais.
Regarde. C'est quoi ça, mec? Merde. Oh, un caillou. Ouais, mais c'est bizarre. Les rochers. Oh merde, je suis fatigué par un Voltorb. Voltorb. Il peut pas l'attaquer, ce bazar là? Non. Non, c'est bizarre. Attaquer quoi? Une espèce de rocher bizarre. Un gros rocher? Ouais. Tu peux le casser à la pioche. Ah, je suis pas sûr. Ah, si, je l'ai cassé. Oh, 1000 d'XP, putain, ça fait plaisir ça. Alors là. Oh, 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 qui c'est qui fait ça? En pleine vidéo quoi. Non mais allô, oh. Oh, c'est. Je sais pas, je clique dessus, ça fonctionne rien. Bon, maintenant je trouve plein de Arbok, mais je trouve pas de. De petits serpents. Oh, c'est ça, c'est pour la bouffe, hein. Ouais. Putain, je vais me perdre des fois. J'ai plus de points de vie. Merde. Ah non, t'es sérieux là? Bon, y'a pas un petit marais dans les environs là? Histoire qu'on se meurt. Faut une petite dim map pour savoir où aller. Oh, tu prends, je vous installe petite map. Quoi? Non, rien. Non, il aurait fallu raser une map. Ouais, mais il est incompatible avec plein de modes, ce bazar là. C'est pas le problème. Ouais. C'est incompatible avec plein de billes. Ce que je préfère chez toi, c'est ton petit bidon, tes petites poignées d'amour, j'ai trouvé ça trop mignon. Même si les autres te trouvent un peu grave, moi je trouve ça confortable quand tu me prends dans tes bras. T'es si mignon, 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 mais gros, 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 mignon, mignon. Ah là, vous pouvez penser qu'on est quand même allé assez loin pour chanter René la taupe. Oh, un... Cadabra. Abracadabra. Oh, c'était pourri. C'est quoi ces bruits, mec? Je sais pas. Je préfère même pas savoir. Non, non, non. Bon, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. Hein. Non, 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 surtout pas. Justement, vous évitez d'aller sur YouPorn, vous gagnez du temps. Nous n'allons pas sur YouPorn. Oh merde, il s'est enfui, ce bâtard. J'allais l'avoir. En fait, il est juste là. Ah, mais il est... Ah non, ah ok, merde. Oh non. Oh, bâtard. Ouais, puisque c'est ça, j'ai perdu, je devais aller. Putain, ça leur fait un gros cul au cadavre, c'est énorme. Bienvenue dans le monde des bisounours. Ultra Ball, attrapez les tous, c'est notre histoire. Ensemble pour la vie. Il me fait chier, ils font chier à se téléporter là. Ultra ball. On va essayer de retrouver la maison, je crois qu'elle est par là. Ah oui, je vois un toit rouge et c'est par là. Les monstres se sont fait démonter par cette espèce de cadabra là. Alors, internet. Petit coup de pub. Non, non, même pas besoin d'internet. Je fais un petit coup de pub au cas où pour que je connaisse.
Mindbox radio, écouter, c'est super. De quoi écouter c'est super, c'est génial. It's the night I gonna stay. J'ai vu que t'es plus de Pokémon que moi. Bon, j'ai soigné mes Pokémon et puis on va se faire nos adieux là-dessus parce que l'épisode, ça fait plus de 20 minutes. Enfin, je crois. Donc, un petit bilan. Ben, j'ai un nouveau Pokémon, il s'appelle Dodio. Il est pas mauvais quand même depuis le début là. Enfin, j'ai fait 2-3 combats avec, c'était des combats, il était pas mauvais. Ouais, il était pas mauvais du tout. Un duo, c'est forcément à deux. Ouais. Ne quittez pas maintenant la vidéo, s'il vous plaît. Oh, plutôt ici. Non, on va changer de Pokémon. Pokémon. Dodio. On va essayer de le capturer, peut-être que pour faire une dernière petite action de fin. Ouh, tu lui as mis très cher. Pokémon. Voilà. Alors je vais voir si je vais réussir à l'empoisonner. Il a pas l'air de vouloir perdre sa vie. Et je peux te taper. Mais carrément. C'est pas malin. Comment? C'est pas malin. Pas malin? Pourquoi? Et donc là normalement, bye. Pokéball, j'envoie la Pokéball. Hop, et là normalement j'espère bien l'avoir. Je sais pas s'il est pas empoisonné et en plus il a plus beaucoup de vie donc je devrais l'avoir. J'espère. Ça me ferait chier de faire un fail. Et capturer. Et c'est mon cinquième Pokémon. Et ben voilà, voilà. Donc, et ben on close cet épisode sur ces deux petits Pokémon. Donc d'abord, Dodio. Salut Dodio. Pas très beau, mais gentil. Et... Oh. Oh. On va peut-être avoir une fin d'épisode un petit peu plus sympathique. Allez. Ah merde, bon, il a pas duré longtemps, mon Dodio. Bah, merde, je connais pas Beat. Allez, on va essayer Beat. J'ai une attaque qui s'appelle Beat. It can't use the beat on Beat. Allez, on va pas se laisser faire. Un petit combat contre Sasu. Ah, bon, je ne recommencerai pas mon attaque beat parce qu'il vient de se faire vaincre. Allez, montre-leur ce que tu sais faire. Ah merde! Oh, il est déjà mort! Oh putain! Mais laisse-moi jouer, hein! Attends, non. Bon, il a un certain avantage, il a un Pokémon feu. Oh putain, et bien sûr, mon hypnose ne passe pas. Oh là là! Bon, bah on va arrêter de rigoler maintenant. Mais bon, je vais me faire niquer parce que c'est un Pokémon herbe, donc voilà, j'avais aucune chance. En plus, t'as fait que des critiques là, y a une couille quelque part là. D'où t'as fait que des critiques? Merci, tu m'as fait gagner 2 levels. D'où t'as fait que des critiques là? Et j'ai qu'un Pokémon. Bah oui. C'est mon unique. Mais t'as pas arrêté de faire des critiques sur mes Pokémon? Normal. Comment on fait pour récupérer le petit carré sur le côté là où on voit son Pokémon? Je vois pas pourquoi c'est normal. Bah, sur ton écran, ça. Sur la gauche. T'appuies sur O. Ok. Ça marche pas. Ou comme ok. Non, pourquoi tu veux récupérer quoi? Mon carré pour voir mes Pokémon que j'ai. Ça, je sais pas du tout comment t'as fait pour le désactiver par contre. Bon, bah après cette défaite un peu bizarre quand même.
J'ai utilisé une attaque qui, quand elle est utilisée, soit elle rate, soit elle te KO d'un coup. Ah bah oui, bah t'as eu de la chance alors. Putain, c'est quoi ces trucs, permacraqué là. Donc bah fin de l'épisode, hein. On aura fin sur un petit combat, et on aura eu le droit aussi à... Ah bah la vue de mon dernier Pokémon avec le Dracaufeu d'Inad. Dracaufeu qui est homosexuel sur les bords. Donc bah, je vous souhaite une bonne soirée, merci d'avoir regardé la vidéo, comme d'habitude, pouce bleu, partage, abonnement, commentaire. C'est déjà pas mal. Donc bah voilà. Non, pas de combat, c'est bon. Ben voilà, bon ben, quelque chose à rajouter les gars? Non. À plus. Non, on a jamais rien à rajouter. Bon ben, ciao, ciao les gars. Ah, c'est, tu parlais, merde, ça se fout, vas-y, répète. Au revoir. Ah, ok. Eh ben, salut, 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 tout, salut, salut, salut tout le monde. Plus. Inad? Salut.